Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comme l'ange au vol rapide, nous voulons le servir. N'est-ce pas la vérité? C'est un merveilleux chant. Nous aimons cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une grâce pour moi de vous maintenir ce soir devant l'épouse de Jésus-Christ. Alors que je ne mérite pas, mais c'est une grâce particulière. Quand nous le disons, ce n'est pas une manière de blaguer, c'est sincère. C'est une grâce particulière de parler à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grâce particulière d'avoir un bon pasteur. Parce que n'importe qui ne peut oser laisser quelqu'un dans sa chair encore que c'est un apprenti. C'est une grâce particulière d'avoir un bon papa, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont là, quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans Seigneur. Seigneur, tu sais, du ciel, y a point d'amis comme toi. Oh oui, si le ciel n'était pas chez moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont là, quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Bien. En parlant du bon vieux chemin, oh non, nous sentons si bien. En parlant du Seigneur, Église, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Oh oui, le diable n'aime pas cela. Parler du bon vieux chemin.
puissant conquérant. Qui est cet homme de Jésus? Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Amen. Qui est cet homme de Jésus? C'est le lion de la tribu de Judas. Qui est cet homme de Jésus? C'est l'agneau de gloire. C'est le septième sceau. C'est le troisième poule. Amen. Et il est terrible dans l'assemblée des saints. Amen. Sans plus tarder, nous devons lire. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue les éminents hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je salue chaque diacre, chaque administrateur, chaque fils de Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me sens bien. Parce que cet homme de Jésus est incomparable. Amen. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Nous avons vu les héros dans ce monde. Nous avons vu les hommes forts. Nous avons vu les hommes beaux. Mais les tombes sont toujours fermées. Celui qui n'avait rien pour attirer l'attention, qui ne pesait même pas plus de 60 kilos, il est le seul qui a laissé la tombe vide. Et il est plus que capable. Il est le mari capable. Lui ne fait pas le bruit, mais il pose les actes. Amen. Alléluia. Il aime quand on lui fait confiance. Amen. Quand on lui fait confiance, c'est là où il montre qu'il est Dieu. Quand on ne lui fait pas confiance, il a mal, il a les douleurs. Quand on ne lui fait pas confiance, il regarde au calvaire, il dit, mais à quoi bon de mourir au calvaire? Si cette épouse ne peut pas me faire confiance, moi qui étais un homme riche, je ne manquais de rien. Mais j'acceptais volontairement de me dépouiller de mon trône pour prendre la forme humaine, afin de les racheter. Ce sont eux qui ont fait l'erreur. Ce n'était pas moi, mais je les aime. Ils sont une partie de moi. Je ne peux pas vivre sans eux, mais je veux qu'ils puissent me faire confiance. Amen. Faites-le confiance et tout sera possible. Amen. On va lire dans Acte 9. Si quelqu'un peut me prendre Exode 3 comme la fois passée, ça va m'aider. Cependant, Paul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât les participants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Pendant que vous êtes assis, quelqu'un peut prendre les autres trois. Ça me fera du bien. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » 13, 14. On n'est pas tout lit. Combien? Verset 13, 14. On saute. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? N'oubliez pas que celui qui est à côté de vous ne sait pas chanter. Il essaye de chanter. Amen. Quand quelqu'un essaie de chanter, il peut commettre une erreur. Ne faites pas de ça un problème. Mettez Dieu ou aidez-le. Amen. N'est-ce pas la vérité? Bon, mercredi, quand nous avons abordé le sujet, l'ange de l'éternel ou la colonne de feu, qui est le même sujet aujourd'hui. Amen. J'ai donné les déclarations là où je n'ai pas lu, mais j'ai pu quand même avoir les citations aujourd'hui. Vous savez, les appareils scientifiques ou bien techniques parfois déçoivent l'être humain. C'est pourquoi Dieu a donné aussi l'encre. Enfin, quand les appareils électroniques nous déçoivent, il y a de l'encre et puis la feuille qui peut nous aider. Amen. C'est pourquoi le prophète a enregistré pour les appareils électroniques et il a aussi écrit. Amen. Afin qu'on ne soit pas déçu. N'est-ce pas la vérité? La fois passée, j'ai dit que le Saint-Esprit et l'ange de l'Éternel ne sont pas pareils. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a peut-être mal compris cela. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Amen. La colonne de feu, c'est Dieu. Mais il y a les étapes, les dispensations auxquelles Dieu travaille. Amen. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de la personne de Jésus-Christ lui-même. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu qui est Saint et Esprit. Et quand on parle de la colonne de feu, c'est le manteau de Dieu. Parce que Dieu habite dans une colonne de feu. Amen. On va lire cela. Obéis à la voix de l'ange. Prêché le 13/7/1950, paragraphe 11. Amen. On va lire. Eh bien, pensez à Marie. Lorsque Gabriel descendit et lui parla de la naissance virginale du Sauveur, ou à Zacharie dans le temple, ou eh bien, après que le Saint-Esprit était venu, combien croient que Philippe avait le Saint-Esprit? Est-ce reflété là-bas? Oui. Combien croient que Philippe avait le Saint-Esprit? Nous tous, nous le croyons. Nous le croyons tous, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'il était à Samarie, prêchant, tenant un réveil, est-ce le Saint-Esprit qui alla auprès de lui? Est-ce l'ange du Seigneur qui le toucha et dit, va au désert de Gaza? L'ange de l'Éternel alla auprès de lui. Est-ce vrai? C'était l'ange de l'Éternel qui alla auprès de lui. Amen. Eh bien, tout le monde croit que le grand Saint-Pierre, l'apôtre, avait le Saint-Esprit. Nous le croyons, n'est-ce pas? Il avait les clés du royaume. Il avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et lorsqu'il se trouvait en prison un soir, et en prison, là, chez Jean-Marc, les autres tenaient une réunion de prière. C'est l'ange de l'Éternel qui entra, le toucha et le conduisit. Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était l'ange de l'Éternel qui entra. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Deuxième brochure, l'ange de l'Éternel, prêché le 2-5-51, paragraphe 40. Qu'en est-il, diriez-vous? Croyez-vous que Philippe avait le Saint-Esprit? Philippe, l'évangéliste, après la Pentecôte, il avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais qui est celui qui lui a dit d'aller dans le désert de Gaza? L'ange de l'Éternel était descendu. L'ange de l'Éternel était descendu. Est-ce vrai?
alors qu'il tenait ce réveil-là en Samarie. Pierre avait le Saint-Esprit. Le croyez-vous? Et pendant qu'on tenait une réunion de prière pour lui chez Jean-Marc, l'ange de l'Éternel, qu'était-ce? Une lumière avait brillé à la fenêtre et l'ange de l'Éternel l'a touché et a fait tomber de lui les chaînes. Il a fait sortir de la maison. Est-ce vrai? Et Pierre avait le Saint-Esprit. Est-ce vrai? Quand le prophète dit est-ce vrai, vous devez dire oui. Parce que c'est la bouche autorisée. C'est la bouche de Dieu. Si c'est la parole d'Isaïe, vous pouvez dire non. Et vous êtes en ordre. Amen. Parce que toute parole d'homme doit être reconnue comme mensonge. Mais la parole de Jésus-Christ, au travers de son prophète, vous devez dire oui. L'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Mais après 14 jours, après qu'il y eut ni soleil, ni lune, ni étoile, Paul était isolé pendant longtemps dans la cale, en train de prier. Il est remonté sur le pont et a dit, « Ayez bon courage, car l'ange de Dieu, dont je suis le serviteur, l'ange de Dieu, c'est toujours l'ange de l'Éternel. Sinon, Paul n'est pas dit qu'il est le serviteur. Amen. Si c'est un ange messager, Paul ne pouvait pas l'adorer. Parce que Paul n'était pas un idolâtre. Amen. Parce que même quand le prophète a voulu adorer l'ange qui l'a amené le message, l'ange lui a dit, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Ainsi que Jean, autant pour moi. Jean représentait le prophète. Amen. Il m'est apparu la nuit dernière et m'a dit ce qui arriverait. Et j'ai confiance en Dieu. Il sera tel qu'il me l'a montré. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Quelqu'un a compris cela? Nous avons déjà deux témoignages. Amen. Donc, que ça soit l'ange de l'Éternel, que ça soit la colonne de feu, que ça soit le Saint-Esprit, tout cela c'est Dieu. Il n'y a pas un démon parmi, ni un ange déchu. C'est toujours Dieu, mais dans ses manifestations. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, je serai avec vous, la personne de Jésus, et en vous, sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Et le prophète va même encore plus loin. Il nous dit que la personne que Moïse a rencontrée là-bas sur le buisson Adam, c'était Jésus. Et pourtant, nous connaissons que Jésus est né en l'an zéro. Mais comment le prophète pouvait dire que c'était Jésus? Mais il a été téléporté en vision. Amen. Il a vu exactement que non, c'était Jésus sous la forme de la colonne de feu. Parce que quand Jésus était sur la terre, il a dit, je viens du Père et je retourne au Père. En d'autres termes, je viens de Dieu, la colonne de feu, et je retourne à Dieu, la colonne de feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le chemin de Damas, en allant persécuter les chrétiens, a croisé une lumière. Et Paul, qui était un érudit de la loi, il ne pouvait pas appeler n'importe qui Seigneur. Il savait que Seigneur, il s'agit de l'Éternel Dieu lui-même. Et comme cette lumière a frappé ses yeux, il a dit, mais ce n'est qu'un être suprême qui peut m'aveugler. Alors il a dit, qui es-tu Seigneur? Jésus pouvait dire, je suis l'ange de l'Éternel. Il pouvait dire, je suis la colonne de feu. Mais l'ange de l'Éternel, la colonne de feu ne sont pas les noms propres. Amen. Le prophète appelle cela les noms composés de Dieu. Amen. Comme on peut dire Jova Jiré, Jova Rafal, Jova Missi, Jova Elohim. Tout ça, ce sont les noms de Dieu, mais ce sont les noms composés de la rédemption. N'est-ce pas la vérité? Mais tout cela, que ce soit l'ange de l'Éternel, que ce soit la colonne de feu, que ce soit l'ange du Seigneur, que ce soit le Saint-Esprit, il a un seul nom. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Luc 24, 49, on dit la repentance doit se faire en ce nom-là. Mais quand les gens parfois sont frappés, ils ne savent pas réellement quel est le nom de Dieu. Mais qu'est-ce que 1 Jean 5, 20 nous dit? Il dit, c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle.
Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut savoir cela. On peut lire 1 Jean 20, 1 Jean 5, 20. Ce n'était pas dans mon programme, mais il faut qu'on lise ça. Amen. Frère Abel. 1 Jean 5, 20. Oui. Commence à 19, 20, c'est bon. Ah. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Des idoles. Amen. Donc le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu adores le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu n'adores pas une idole. Amen. J'aimerais lire quelque chose dans Exode 23, 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu détruiras et tu briseras leur statut. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Vous servirez l'Éternel, le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que l'ange du Seigneur marchera devant nous. Amen. Il nous conduira dans ce monde, là où il y a tous les esprits. Là où il y a toutes les difficultés, là où il y a toutes les embûches. Amen. Mais ces embûches n'auront point de pouvoir sur nous aussi longtemps que nous ne suivrons pas ce peuple dans la conduite. Amen. Cet ange nous protégera. Amen. Il brisera même nos ennemis. S'il brisera nos ennemis, les Hétiens, les Phéréziens, c'était des esprits naturels. En ce temps-là où nous vivons maintenant, les Phéréziens, les Hétiens, les Jébusiens et les Héviens, ce sont les esprits spirituels. Amen. Ce sont les pratiques mystiques. Amen. Les esprits impurs. Tous ces démons-là qui perturbent les œuvres de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu a dit qu'il te fera passer par là. Mais ces esprits ne te feront rien. Ils ne te feront aucun obstacle. Amen. Si seulement tu ne suis pas ce peuple dans ta conduite, et si tu n'adores pas les dieux, amen, les dieux, ce sera quoi? S'ils aiment les courtes jupes et qu'ils adorent les courtes jupes, et que c'est ça, c'est là les idoles, vous n'imitez pas cela. Amen. Si d'autres ont pris comme Dieu le mensonge, que quand tu ne mens pas, il n'est pas à l'aise. Mais même s'il est minuit, il faut qu'il sorte de chez lui pour chercher quelqu'un qui va mentir, pour que l'esprit puisse se calmer. Ne suivez pas ce peuple dans les conduites. Amen. Tu vois le frère, il te parle, tu sens même qu'il est en train de te mentir. Mais il continue. Mais c'est son idole. C'est un Dieu étranger qu'il a pris. Mais la Bible dit, ne suivez pas ce peuple-là. En d'autres termes, quand tu vois réellement que le frère est en train de te mentir, appelle le frère à côté. Brise la statue. Amen. Dis frère, arrête un peu. Gêne-toi. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? C'est la Bible. La Bible dit, vous briserez les statues. Amen. Briser, ce n'est pas avec la force pour commencer à frapper. C'est avec la parole. Amen. L'ange de l'Éternel
Nous avons vu mercredi qu'il a visité Agar. Amen. Agar qui n'était qu'une esclave. Mais alors qu'elle était en train de fuir sa maîtresse Sarah pour aller dans le désert, elle a eu la grâce de croiser l'ange. L'ange lui a dit, va t'humilier. Amen. Combien parmi nous font souvent les choses, ils savent qu'ils ont tort. Mais le Saint-Esprit lui a dit d'aller demander pardon, d'aller s'humilier, ils ne peuvent pas. Ou ils n'arrivent même pas. Amen. Comment pourrions-nous avoir ceux qui suivent si nous ne commençons pas au début? Parce que quand Sarah, à l'intérieur de son cœur, a accepté d'aller s'humilier chez Sarah, quand Agar a accepté d'aller s'humilier chez Sarah, c'est alors que l'ange de l'Éternel lui a dit, tu auras une postérité et elle sera bénie. Amen. Et nous avons parlé d'Abraham dans Genèse 22. Nous avons vu qu'Abraham a entendu la voix du Seigneur. Dieu lui a parlé d'aller sacrifier son fils unique, le fils de la promesse. Amen. Il n'a pas raisonné. N'est-ce pas? Mais combien nous sommes là? Entre nous. Dieu te dit quelque chose qui est à ton avantage. Est-ce que tu vas accepter? Parlons simplement entre nous. Sincèrement. Quelque chose qui est à ton avantage. Dieu dit, vends ta maison. Va vendre ta maison. Tu n'as ni toi, ni père, ni mère, ni place là où tu peux habiter. Dieu te dit, la maison là, va la vendre. Et tu m'apportes l'argent à l'église. Et quelqu'un peut accepter cela? Mais c'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Abraham soupirait après un enfant. Parce que dans sa tête, il se disait que c'était Éliezer de Damas qui devait être son héritier. Dieu vient, il lui donne la promesse. Amen. Pendant que la promesse est née, Abraham est joyeux. Abraham est content. Abraham voit que tout est comblé. Mais l'Éternel, l'ange lui dit encore, prends cet enfant, va me sacrifier. Si réellement. Mais Seigneur, tu sais bien qu'Abraham t'aime. Quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Il ne t'a jamais appréhendé. Mais il accepte volontairement de quitter sa patrie. De sortir de la maison de son père. Parce qu'il a entendu une voix. Ce n'est pas de l'amour cela. Amen. Il a laissé les idoles de ses pères. Amen. Pour suivre une voix. Quand tu peux te lever le matin, une voix te dit non, abandonne ta maison. Vas-y, commence à déambuler dans la route. Je te montrerai une place où tu vas aller. Ce n'était même pas précis. Ce n'était pas quitte de là, tu vas au Yem. Ou quitte de là, tu vas à Lambaréné. Ou quitte de là, tu vas à Kango. Ce n'était pas ça. Va dans un pays lointain que je te montrerai. Il n'était même pas sûr là où il partait. Abraham sort par amour. Amen. Qu'est-ce qui a causé cet amour à Abraham? C'était la profondeur que Dieu avait mis en Abraham. Amen. Sans cette profondeur, Abraham ne pouvait pas accepter de sortir au hasard. Il savait que celui qui lui parlait, il avait une identification quelque part. Il avait écouté cette voix autrefois dans l'éternité. Amen. Frère, si tu n'es pas convaincu, ne t'aventure jamais pour écouter une voix qui va te faire quelque chose parce que tu as entendu le frère Isaïe prêcher. On dit il faut être convaincu avant d'être concerné. Amen. Si la voix te dit va vendre ta maison, dit qu'il n'y a pas un type. Amen. Il n'y a pas de type. Pour aller vendre ta maison, tu vas errer comment? N'est-ce pas, il faut équilibrer. Amen. Abraham aimait le Seigneur. Amen. Qui pouvait donner tout pour cet homme-là? Dieu lui-même était étonné. Parce que Dieu appelait Abraham après qu'il venait de détruire le monde de Noé. Amen. C'est là alors là qu'il a choisi Abraham. Après la destruction du monde des pécheurs, Dieu était dépassé. Il dit donc, après tout ce que j'ai fait, donc il y a encore un mortel qui peut m'aimer. Abraham, je te bénirai. Amen. Et non seulement toi, je bénirai ta postérité. Amen. Ta descendance sera bénie.
Mais Abraham, je suis en train de voir un danger qui est en train de venir vers toi. Cette descendance-là sera esclave quelque part. Amen. Isaac, que tu as voulu me sacrifier, je sais que je vais pouvoir un agneau pour lui. Amen. Mais Isaac aura un fils. Amen. Il aura Jacob. Il aura Saül. Mais la bénédiction d'Isaac viendra par Jacob, dont Israël. Israël aura 12 enfants. Amen. Il y a un qui sera haï parce qu'il aura beaucoup de visions. Quand il dort, j'ai encore fait. J'ai vu la lune, le soleil s'agenouiller avec les 10 étoiles. Mais lui, là, il veut nous coloniser ou bien. Oh, j'ai vu les gerbes debout, vos gerbes couchées. La mienne est restée seule. Donc, tellement, Dieu l'a tellement utilisé que les frères ont dit, non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions le lier pour l'envoyer en Égypte. Ils oublient que tout ce qu'ils étaient en train de faire était dans le plan de Dieu. Amen. Tout cela était dans le plan de Dieu afin que nous puissions voir une grande lumière. N'est-ce pas? Si Israël n'était pas allé en esclavage en Égypte, est-ce que la colonne de feu devait descendre dans le buisson Adam? Il fallait que Israël va en esclavage en Égypte et que vient un pharaon qui ne connaissait pas Joseph afin de pouvoir les martyriser. Et en les martyrisant, il fallait aussi que Jacobem et Amram se mettent dans un état de prière afin de pouvoir naître chez eux le libérateur. Amen. C'est une histoire que vous connaissez déjà. J'ai dit mercredi qu'on réchauffe la nourriture. Amen. Tout est déjà préparé. Le chef cuisinier a préparé tout. Nous sommes seulement là pour réchauffer, pour vous donner. Il n'y a rien de nouveau que nous allons vous donner que vous ne connaissez pas. Amen. Alléluia. Dieu est descendu. Pourquoi Dieu est descendu? Parce qu'il a vu la souffrance. Amen. Il a entendu les cris. Donc Dieu peut voir la souffrance. Dieu peut entendre les cris. Amen. C'est pourquoi il dit n'opprimez pas le malheureux. Parce que si vous opprimez le malheureux et qu'il crie à l'Éternel, l'Éternel les exaucera. Amen. Et n'opprimez pas l'étranger. Parce que sache que toi, Israël, tu as été étranger en Égypte. Amen. Dieu écoute. Il a écouté les cris. Donc, en d'autres termes, ce ne sont même pas les fouets des Égyptiens qui ont fait Dieu descendre. C'était les cris des enfants d'Israël qui ont bouché les oreilles de Dieu. Amen. Les cris étaient tellement lamentables que ça a fait se souvenir de la promesse d'Abraham. Ton peuple, amen, ta descendance sera en esclavage. Mais par ma main puissante, je les délivrerai. Amen. Les cris des enfants d'Israël. Quand je parle des enfants d'Israël, ne vous projetez pas là-bas des 6000 ans ou 4000 ans. Nous sommes Israël spirituel. Parce que Dieu a coupé expressément une branche de l'olivier franc afin de greffer l'olivier sauvage. En d'autres termes, nous devenons Israël spirituel. Et le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Amen. Et le même Pharaon est ici, en train de nous torturer par la maladie, de nous torturer par le souci, de nous torturer par les couvertures, de nous torturer par le célibat, de nous torturer par la pauvreté, de nous torturer par les esprits impurs. Mais Dieu ne peut pas descendre aussi longtemps que vous ne criez pas. Si vous pouvez encore supporter les cris, si vous pouvez encore supporter la torture, Dieu ne descendra pas. Amen. Dans Exode, il a dit quoi? J'ai écouté. Amen. Le cri. J'ai vu la souffrance. Donc Dieu a vu la souffrance. Il voyait la souffrance depuis. Ce n'est pas qu'il ne voyait pas la souffrance. Mais aussi longtemps que les cris n'arrivaient pas jusqu'à lui,
Il ne peut pas descendre pour délivrer Israël. Amen. Aussi longtemps que tu peux encore, frère. Aussi longtemps que tu peux encore, sœur. Laisse Dieu là où il est parce qu'il ne descendra pas. Tes prières ne seront que les prières formalistes. Parce que le prophète nous dit, Dieu exauce un état de poussé à bout. C'est quand tu es poussé à bout que tu vois qu'en dehors de Christ, il n'y a plus rien qui peut faire quelque chose pour toi. C'est alors là où Dieu descend pour te mettre en liberté. Amen. J'ai entendu les cris que les font pousser les oppresseurs. Amen. Qui est ton oppresseur, ma soeur? Qui est ton oppresseur, mon frère? Amen. Il est descendu. Parce que nous parlons aussi de l'ange puissant. Nous parlons aussi de la colonne de feu. Cet même ange qui conduisait les enfants d'Israël, ce même ange est ici ce soir. Et il peut être délivré de la même manière qu'il a délivré Israël ce jour-là. Seulement entre dans le canal de la foi. Enfin de discerner celui qui parle. Que tu saches que ce n'est pas ton frère que vous blaguez tous les jours au quartier, mais c'est l'Éternel qui est en train de te parler ce soir. Tu peux encore crier, Dieu ne descendra pas. Ton oppresseur ne t'a pas encore mis à bout. Cette maladie qui te torture ne t'a pas encore mise à bout. Cette douleur qui te torture ne t'a pas encore mise à bout. Dieu ne descendra pas. Aussi longtemps que ton oppresseur ne t'a pas secoué, autant que tu cries à l'Éternel, il ne descendra pas. Mais si tes cris sont montés devant le trône de grâce et de miséricorde et qu'il a vu ta souffrance, alors je te rassure ce soir qu'il est descendu. Il est descendu pour toi, mon frère. Il est descendu pour toi, ma soeur. Il est descendu pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je sens un esprit sceptique dans la salle. Amen. Je sens un esprit sceptique. Et cet esprit dit, il pense qu'il est le pasteur pour dire cela. Mais je suis son fils. Tel maître, tel élève. Amen. Et le même Saint-Esprit est ici. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Parce que nous avons été connectés. Nous avons été contaminés. Nous avons été magnétisés. C'est pourquoi je prends autorité sur cet esprit sceptique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de cette salle. Tu n'as pas de possibilité ici, là. Ici, c'est le rassemblement des saints. Les gens qui croient à l'impossibilité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont les gens impossibles. Amen. Je peux donner le témoignage? Je ne voulais pas le dire. Dimanche après l'église, nous sommes allés pour donner de l'eau à la femme du diacre Moïse. On était avec l'honorable Hugues. Amen. On est allé pendant qu'ils ont dit non, il y a encore une autre facture. Pendant que le feu est en train de remplir les formalités, on était avec le diacre Hugues, on causait. On ne savait pas où aller. On va aller à gauche, on va aller à droite. Après, j'ai dit, mais honorable Hugues, tu vois la salle qui est là-bas? C'est là où on était venu avec le frère Lé, on était allé prier pour les malades. On avait prié pour un bébé qui était mort dans le ventre. La maman attendait l'opération. Quand on a fini de prier, dès qu'on veut sortir, elle commence à crier, l'enfant est en train de bouger. L'enfant est en train de bouger. Ça causait la panique dans la salle. Au tempo qu'il y avait aussi une femme qui devait passer par l'opération, on dit le bébé était comme ça. Là. Quand on a fini de prier, nous sommes partis. Après, le soir, elle a couché normalement. Quand on finit de parler, on voit une femme qui dit, oh monsieur, monsieur, on regarde. Oh, nous sommes calés là à l'ascenseur, est-ce que vous pouvez nous ouvrir la porte? C'est le frère qui dit, mais vous êtes dans quelle salle? Elle a donné le nom de la salle et tout. On monte, on voit les infirmiers, on dit, mais vous avez l'une de vos patients qui sont calés à la salle, qui est calée à la salle. Et nous dit, mais allez l'aider vous-même. On dit, mais ce n'est pas notre travail. Le frère a répondu, mais il nous a dit qu'il faut qu'on vous appelle. Ils ont envoyé un infirmier aller
ouvrir. Quand vous passez, il y a quelque chose qui attire notre attention. On a vu un enfant couché, on est entré. Dès qu'on est entré, on dit bonjour, oui, il n'y a pas de hasard dans toute chose. Nous sommes les serviteurs de Dieu et nous prions pour les malades. Nous ne sommes pas venus pour prier pour les malades, mais puisque nous croyons que vous nous avez interpellés, certainement ce n'est pas à cause de la porte qui est bloquée, c'est parce que Dieu veut que nous puissions prier pour votre enfant. On a prié pour l'enfant. Avant de sortir, il dit non, vous pouvez aussi prier pour la femme de l'enfant de ma voisine. Directement, la voisine était en train d'entrer. On dit, madame, bonjour, oui, bonsoir. Est-ce que nous pouvons prier pour votre enfant? Elle était sceptique. Elle nous a regardé avec un regard. C'est vraiment, ça pouvait nous décourager. Mais on ne s'est pas découragé. On a dit, non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous pouvons prier parce que votre soeur nous a dit de prier pour vous, mais nous ne pouvons pas prier sans votre consentement. Elle a dit, oh, prier. L'enfant est quoi? Oh, l'enfant est SS. On dit, mais ça, c'est un petit problème. Notre pasteur, Pacha Paul Gentil, on a commencé à donner le témoignage. Notre pasteur est allé à Port Gentil. Il y avait le même cas. L'enfant était ASS. Non seulement Dieu a guéri l'enfant de sa situation de SS, et l'enfant est devenu AA. Donc son électrophorèse a été changé. Elle dit, hein? Elle a accepté, on a imposé les mains. On a prié pour l'enfant. Dès qu'on prie pour l'enfant, elle écoutait les paroles qui sortaient. Quand on partait, elle dit, ah, mon frère, ne partez pas. Là-bas aux urgences, on a notre frère là-bas. Là-bas, c'est grave. Son cas est trop compliqué. Nous avons dit, mais il n'y a rien qui soit compliqué pour le Seigneur. On est allé avec le frère. Et quand on va réellement, le cas était compliqué. Le frère était, il ne voyait pas bien les couleurs. Comme aveugle. Quand tu viens devant lui, tu as la chemise blanche, il te dit que la chemise est noire. Il est aveugle. Il a les troubles de comportement, il fait les trucs de folie. Et il ne marche pas, n'est-ce pas, frère? Il est paralysé là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, depuis là, nous sommes là à l'hôpital, ça fait aujourd'hui 17 jours. On a fait tous les examens. Non, un mois. On a fait des examens, rien. Tout ce qu'on fait, rien. Rien qui. Oh, ça a commencé, on était à l'Ebamba. On dit, mais ça, c'est rien. Pendant qu'on a commencé à lui témoigner de Dieu, on témoignait de Dieu. Après, j'ai dit, en tout cas, avant, j'ai fini. Honorable Hugues, donne aussi, comme tu es le pasteur, donne aussi ce que tu peux donner. Le frère commence à donner, à parler de Dieu, à parler de Dieu, à parler de Dieu. Après, le monsieur dit, mais je suis en train de sentir les frictions tout autour, là où il est. On a dit que non, ce ne sont pas les frictions. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu pour te délivrer. Amen. On a tellement parlé de Dieu, on était confiant. Parce que nous-mêmes, on était magnétisés de la cheville jusqu'au pied. On a fini de prier. On a condamné les esprits, condamné. Doucement, même pas, on n'a pas trop crié. On a condamné les esprits. On a dit, tu es guéri. Quand on dit, maintenant, ma chemise a quelle couleur? Il dit, non, ta chemise a la couleur noire. Il dit, non, non, non. Et lui, sa veste est marron. Il dit, non, tu ne vois pas encore. On a imposé les mains. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je chasse le démon de cécité et j'ordonne à ses yeux de voir normalement. Quand j'ai dit amen, il dit, j'ai quelle chemise? Il dit, tu as une chemise de couleur blanche. Il dit, Dieu vient de te guérir. Et on dit au frère, il dit, il a bien comment? Il dit, il a sa cravate à la même couleur que sa chemise. Il a porté une veste et il a porté un gilet et il a donné exactement la tenue que le frère a. Amen. Et quand on veut partir, il dit non, ne partez pas. Quand cet esprit m'avait commencé, ça commençait à me faire mal ici. Et c'est venu jusqu'au niveau de l'œil. Donc ça me faisait mal jusqu'à ce que vous ne commencez à prier. Quand vous avez dit amen, je sens que cet esprit est parti. Ses parents disent, mais depuis, ne mange pas. On lui pose la question, mais tu veux manger? Il dit, j'ai faim, j'ai envie de manger. On l'a donné la nourriture. Je pense mardi, c'est mardi qu'ils sont sortis de l'hôpital totalement guéris. Et ils marchent, ils voient, ils courent. J'ai dit ça pourquoi? Pour dire que c'est le même ange du Seigneur. C'est l'ange de l'Éternel qui marche avec notre pasteur, qui marche avec Beka Baruti, qui marche avec William Aron Branham, qui marche avec chacun de vous, si seulement vous lui faites confiance.
On a vu cela du tic au tac. On a dit au frère, mais nous faisons souvent ça, mais c'est grave. Du tic au tac. Amen. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu veut travailler avec nous. Mais nous devons nous séparer du Dieu étranger. Amen. Nous ne devons pas faire comme ce peuple-là. Amen. Nous ne devons pas suivre ce peuple dans la conduite. Amen. La même colonne de feu que Moïse a rencontrée n'est pas différente de la même colonne de feu que Paul a rencontrée. Amen. Et n'est pas différente de la même colonne de feu que William Aaron Branham a rencontrée. La même colonne de feu que William Aaron a rencontrée, c'est la même colonne de feu qui est dans le ministère de Beka Baruti. Et c'est la même colonne de feu qui est dans le ministère du pasteur Séraphin Mosengo. Et c'est la même colonne de feu qui est ici ce soir. Amen. Dieu, l'Éternel, a vu les souffrances de son peuple. Il a vu ta souffrance. Il a vu ta souffrance, ma soeur. Il a vu combien de fois on te parle mal. Il a vu combien de fois on te dénigre. Il a vu combien de fois on te minimise. Il a vu combien de fois on dit de toi au quartier, si réellement cette fille-là est chrétienne. Mais pourquoi son Dieu n'enlève pas son opprobre? Il a vu. Mais il attend que tu puisses crier. Amen. Il faut que tu cries. Amen. Si tu ne cries pas, il ne descendra pas. Il faut que tu cries afin qu'il puisse descendre. Et quand il descend, c'est la fin de tes souffrances. Bien-aimé frère, l'Éternel connaît tes souffrances. Il voit combien de fois tu travailles et ton argent va dans les pharmacies. Chaque 60% de ton salaire qui va dans les maladies, il le voit. Il connaît cela, mais il attend que tu puisses crier. Amen. Ce n'est pas Moïse qui appelait la colonne de feu. Lui faisait paître les troupeaux de son beau-père. Il n'avait même plus conscience de ce qu'on appelle d'être un libérateur. Ce qui lui plaisait, c'était de compter maintenant les chèvres et les moutons. Amen. Aujourd'hui, il y a eu encore combien qui a accouché? Il y a eu encore combien? Il n'avait plus espoir. Il s'est dit que le peuple d'Israël a abandonné là-bas. Moi, je voulais essayer en tant qu'homme. J'ai tué une personne et je me suis enfui. Il était déjà désespéré. Dieu a vu son cœur. Il a vu la pression qu'il avait. Il a vu le remords. Il a dit, seulement je peux faire quelque chose. Cet homme peut travailler pour moi. Amen. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et Dieu connaît nos cœurs. Amen. La colonne de feu nous connaît. Regardez un peu l'apôtre Paul. Il quitte pour aller persécuter les chrétiens. Mais Jésus descend pour dire à Paul, il te sera dû de régimber contre les aiguillons parce que tu me persécutes. Mais Paul a persécuté Jésus où? Amen. Les gens que Paul persécutait, c'était les gens qui avaient le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il est écrit, ne faites pas du mal au vin. Amen. Et ne faites pas du mal à l'huile. Amen. Le vin, c'est quoi? C'est la stimulation. Et l'huile, c'est quoi? C'est la révélation. Donc, si tu as la stimulation de la révélation, Dieu dit aujourd'hui, à ces esprits qui t'embêtent, de ne pas toucher à l'huile ni au vin. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les repères des oiseaux impurs. Nous ne sommes pas là pour dormir et qu'on vient nous souiller la nuit. Nous ne sommes pas là pour dormir et qu'on vient nous souiller la nuit. Les esprits des sirènes, que ce soit les esprits des sirois, nous ne sommes pas à leur service. Qu'ils arrêtent de suer le peuple de Dieu. Amen.
Amen. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et non un refuge des démons. Parfois, quand vous causez avec les gens la journée, il faut voir là où ils veulent en venir. Il y a les gens qui viennent par les blagues, avec des paroles ensorcelées. Quand vous dormez la nuit, ils deviennent les maris de nuit pour venir vous perturber. Ainsi que les femmes, ils font semblant de blaguer pendant qu'ils sont loin des démons de sirène. Quand vous dormez la nuit, comme ces paroles sont restées dans vos conscients, ils viennent la nuit pour vous souiller. Et nous nous opposons à ces esprits ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous nous opposons à tout esprit de sirène. Nous nous opposons à tout esprit de serpent. Nous nous opposons à tout esprit d'homme de la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à tout esprit d'homme de la mort qui est derrière le corps d'un frère, qui est derrière le corps d'une sœur, de quitter ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et il a fait que on dit à un démon, sors. Il dit, je ne sors pas. Ce ne sont pas les démons, c'est toi-même ta conscience. Amen. Ce ne sont pas les démons qui disent, je ne sors pas. C'est toi-même dans ta conscience qui dit, comme j'ai eu un problème avec le diacre là, ou bien avec le ministre, je vais dire, je ne sors pas. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus pèse 100 000 tonnes. Et un démon est léger devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on chasse un démon, il peut quitter ici, aller tomber à Kango. Mais quel est ce démon-là qui va dire, je ne sors pas? Ce n'est pas le démon, c'est toi-même. Acclamons Jésus. Tu vois, un démon va dire, laisse-moi, laisse-moi. Dans la Bible, c'est écrit, laisse-moi. C'est toi-même. Il est écrit, à mon nom, ils chasseront les démons. Sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons accomplir toute justice et prendre chaque promesse de la Bible. Mais crédit, nous avons dit que toutes les promesses de la Bible n'appartiennent pas à Jésus. Toutes les promesses de la Bible nous appartiennent. Amen. Et nous sommes héritiers de ces promesses. Et un héritier a tout le pouvoir et les droits légaux et légitimes. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Et la personne de Jésus est à mes côtés. Tu dis, sors, tu dis, je ne sors pas. Laisse-moi, laisse-moi. Ce n'est pas le démon. C'est toi-même. Alors là, je comprends que il y a les esprits humains. Les esprits humains sont différents des démons. Amen. Les esprits humains, c'est la sorcellerie dans une autre phase. Alléluia. C'est l'ange. Il a laissé mes choses, il est en train de me déporter. Et je me laisse conduire. Amen. Parce qu'il est écrit, ne lui résiste pas. Amen. Frère, il est écrit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. À mon nom, vous chasserez les démons. Il n'y a pas, je lis la Bible, il n'y a aucune place là où il est écrit, quand vous chasserez un démon, il va te dire, laisse-moi, je ne sors pas. Qui es-tu d'abord? Vous avez déjà vu un démon dire, C'est toi-même, frère, c'est toi-même, sœur. Et ne pense pas que Dieu ne voit pas.
Il te laisse le temps de te repentir. Quand il verra que tu n'arrives pas à te repentir, il va faire en sorte que tu vas même à Oyem là-bas mourir pour ne pas mener le propre sur la parole. Arrêtons de rendre la parole de Dieu inoffensive. Le message de William Aaron Branham, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand Moïse était sur le chemin de la délivrance et qu'il avait la mer rouge comme obstacle et que Dieu a regardé la mer rouge avec ses yeux couros, la mer rouge n'a jamais dit que je ne vais pas me diviser. La mer rouge a regardé les yeux couros de Dieu et a scellé le passage. Et il est écrit dans Malachi chapitre 4, souvenez-vous de la loi de mon serviteur auquel j'ai écrit en Horeb. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ça veut dire que le même Dieu de Moïse est le même Dieu de William Aaron Branham. Amen. C'est pourquoi moi, je ne crois pas qu'on peut me lancer un fusil de ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui a essayé une fois, alors que j'étais parti rendre visite aux gens au charbonnage. Dès que je vais entrer dans la voiture, j'entends boum, comme un fusil là. Je commence à transpirer à grosses gouttes. J'ai dit, mais ça c'est un fusil. J'ai dit, Seigneur, tu n'accepteras jamais que ton serviteur puisse mourir sous l'influence des démons. Je fais le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Et au même instant, c'est reparti. Et je connaissais même la personne qui a envoyé ça. Mais j'ai dit, Seigneur, aie pitié de cette personne. Et après, un jour, quand je pars, il fait semblant de se confesser. Hein? Mais pourquoi vous n'êtes pas comme lui, tu lui lances les fusils, non, tu ne s'en l'atteins pas. Jésus m'a dit, ah bon, hein? Mais toi, il faut être comme lui. Lui, tu lui lances n'importe quoi, ça ne l'atteint pas. L'Éternel est dans le camp. Faites-lui simplement confiance et vous verrez la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ a regardé la mer rouge, amen, la mer rouge a cédé le passage. La mer n'a pas dit que moi je suis la plus grande étendue d'eau salée. Je ne quitte pas. La mer rouge n'a pas dit ça. La mer rouge a reconnu la voix du Créateur. Parce qu'un bâton, un simple bâton a été tendu. Amen. Le prophète dit, peu importe comment Dieu pouvait oindre Moïse, ce n'était qu'une gloire temporaire. Amen. Cette gloire-là, c'était une gloire naturelle. À plus forte raison, nous. Amen. Parce qu'après tout cela, il se situe sur la puissance des boucs et des taureaux. Amen. Mais nous avons eu le véritable Shiloh, le Goël, l'agneau parfait. Amen. Donc notre gloire doit être deux fois plus que la gloire qu'ils avaient. Nous avons eu au double de plus que eux. Amen. Nous avons eu Dieu avec nous et nous avons eu Dieu en nous. Pendant que eux, ils n'avaient que Dieu avec eux. C'est Moïse qui a eu les prémices d'avoir Dieu en lui. Parce que le prophète dit que Dieu était dans le bâton et Dieu aussi était en Moïse. Mais ce n'était pas tout Israël. Amen. Moïse était le type de Christ. Mais aujourd'hui, que tu sois prédicateur ou pas prédicateur, Dieu est en toi. Et tu as les mêmes droits que celui qui est ici présent. Tu as les mêmes droits que celui qui prêche. Les droits par rapport à tes promesses sont les mêmes. De la même manière qu'aucun démon ne peut résister au pasteur, de la même manière si tu vis la parole, aucun démon ne doit te résister. Amen. Parfois même quand le pasteur prie pour les malades, parfois il peut poser les mains sur le démon dit je ne sors pas.
C'est pas que c'est le démon qui dit. Il y a la pression du renfort par les esprits humains qui viennent parler pour renforcer le démon. Amen. C'est pas le démon qui parle. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Acclamons Jésus-Christ. Quand nous voyons notre prémisse, la première gerbe agitée, qui est au prophète William Branham, est-ce qu'il avait déjà un jour prié pour un démon? Le démon a dit là-bas, je ne sors pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait même pas. Même le démon du cancer, il reconnaissait sa faiblesse devant l'autorité du Seigneur. Parce que le plus grand démon de notre âge, ce n'est même pas le sida. Amen. Ce n'est même pas les infections pulmonaires. Ce n'est même pas tout ce qu'on regarde là. Le plus grand démon de notre âge, c'est le cancer. C'est pourquoi l'ange a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas devant ta prière. Tu n'as rien fait de mal. Peut-être que tu as été contaminé d'un démon de sida. Tu te mets à te lamenter et à pleurer. Tu es conscient que tu n'as pas péché. Peut-être que tu es arrivé chez le coiffeur ou quoi que ce soit. Mais agenouille-toi. Ce n'est pas un démon puissant. Le cancer même est plus puissant que lui. Amen. Tu as eu une infection pulmonaire. Tu es en train de te lamenter, en train de pleurer. Mais c'est un démon. Où est Marc 16? Où est Jean 14, 12? Les promesses de la Bible n'appartiennent pas à Jésus. Ça nous appartient. Amen. Et Dieu est une église sans puissance. En d'autres termes, une église qui ne manifeste pas la puissance du Seigneur Jésus-Christ est haïe par le Seigneur. Ne faites pas comme ce monde-là. Ne les suivez pas dans les conduites. Mais vous briserez les statues. Amen. Vous briserez les statues. Et vous servirez l'Éternel. Exode 23, 25. Amen. Vous servirez l'Éternel. Amen. Quand on sert l'Éternel, qu'est-ce qui suit? Vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux et il n'y aura pas de maladie au milieu de toi. Est-ce que c'est la promesse de Jésus? C'est notre promesse. Jésus, à quoi vous avec cela? Il n'est même plus dans la chair de Galilée. Il est retourné à la situation originelle, la colonne de feu. Amen. On nous a tout donné pour ne pas souffrir. Nous-mêmes, nous sommes ignorants. Amen. C'est comme quelqu'un que tu donnes un chèque. Tu as tout rempli. Tu as signé. Tu lui dis de mettre seulement son nom comme bénéficiaire. Mais la personne est incapable de mettre le nom. Et pourtant, la personne a été à l'école. La personne s'est écrit. Ce n'est pas un obstacle d'écriture. Mais il n'arrive pas à mettre le nom pour être détenteur de ce dont il a besoin. Amen. C'est notre situation. Ce n'est pas simplement notre situation ce soir. C'est la situation des croyants du message du temps de la fin. Vivre en dessous de leurs privilèges. Amen. Nous sommes maintenant spécialistes en ordonnance. Quand quelqu'un est malade, tu vas l'envoyer, il y a une clinique là-bas, tu vas à gauche, à droite, là-bas et tout. La clinique là, si le docteur ne te soigne pas, tu es mort. Ne me comprenez pas mal, je n'ai pas dit ne pas aller à l'hôpital. J'ai dit c'est quand l'hôpital ne peut plus, que Jésus peut maintenant. Mais la personne vient d'avoir chez toi, au lieu de prier, tu le consacres. Mais tu l'indiques chez le docteur et tu lui donnes encore la peur. Tu dis que si le docteur n'en peut plus rien pour lui, il faut qu'il achète directement son cercueil. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible dit nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, nous sommes là pour distribuer la saveur. Donner du goût à celui qui n'en a plus. Amen.
il est aussi écrit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un boisseau, mais on la met dans un chandelier, afin de faire quoi? D'éclairer. Amen. On va un peu lire quelque chose sur Moïse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. J'aime cela. Amen. Troisième exode. Nous allons lire dans le troisième exode. Paragraphe 131. C'était un feu ardent, cette colonne de feu dans le buisson. Quand il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, alors Saul l'a rencontré sur le chemin. Là, c'était redevenu cette colonne de feu. Il a dit, je reviens de Dieu et je vais à Dieu. Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu entra, ouvrit les portes et l'en fit sortir. C'est vrai. Où cette colonne de feu? Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Amen. Il était un conducteur oint par la colonne de feu. Amen. Moïse était un conducteur oint par la colonne de feu. C'est pourquoi il a pu conduire Israël au bon port. Même si les gens disent que Moïse n'est pas entré, si la loi de Moïse est entrée, ça signifie que Moïse était entré. Parce que le messager et le message sont un. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Josué, si tu restes fidèle à la loi de Moïse, amen, je serai l'ennemi de tes ennemis, amen, et l'adversaire de tes adversaires. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors là que tu auras du succès dans tes entreprises. Pourquoi? Reste fidèle à la loi de Moïse. Pas la loi de Josué. Pas ta loi Josué. Mais la loi de Moïse. Amen. Mais pour que tu sois fidèle à la loi de Moïse, il faut que tu te fortifies et que tu aies un bon courage. Amen. Il était un conducteur oint par la colonne de feu. Et nous savons aussi que notre pasteur, c'est un conducteur oint par la colonne de feu. Amen. Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur oint par la colonne de feu. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Amen. Par quoi? Des signes et des prodiges. Et cette colonne de feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis, où Dieu lui-même allait un jour devenir chair parmi eux. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Qu'ont-ils fait? Ils murmuraient et se rebellaient. Tout le reste, ce qui montrait qu'il était sous le sang d'un agneau ordinaire. Malgré cette puissance, cette manière que Dieu parlait avec eux, ils étaient sous le joug d'un agneau ordinaire. Amen. Donc vous voyez que la gloire d'aujourd'hui est plus que celle d'avant. Amen. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Amen. Amen. Cette colonne de feu nous conduira où? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Cette colonne de feu
On va lire la porte du cœur. De 2, 3, 58, paragraphe 63. Avez-vous déjà vu cette photo-là de l'ange du Seigneur? Est-ce que nous avons déjà vu cette photo de l'ange du Seigneur? Amen. Très bien. Eh bien, croyez-vous que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël? Voyez, c'est la colonne de feu. Et quand Jésus était ici sur terre, il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et quand il était ici sur terre, il a dit qu'il était cette colonne de feu là. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis celui qui suis. Avant que Moïse fût, je suis. Amen. Il était la colonne de feu qui était dans le buisson Adam. Amen. Il était la colonne de feu qui était dans le buisson Adam. Jésus, cet homme de Galilée. Amen. Il a dit, trois points, eh bien, il est ici dans la chair. Je viens de Dieu, la colonne de feu, entre parenthèses, je retourne à Dieu, la colonne de feu. Amen. Et quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il était redevenu cette colonne de feu. Paul fut terrassé. Ceux qui étaient à côté de lui n'avaient pas vu cela. Mais cela lui avait crevé les yeux. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Cette grande colonne de feu. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et voici sa photo dans le journal, confirmée par le département des empreintes digitales et des documents douteux de la FBI. George Ginancy a dit, la lumière a frappé les lentilles. Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil ne prendra pas de la psychologie. Là-dedans, c'est absolument prouvé par la science que ça ne pouvait pas être de la psychologie. Ça serait une honte si j'étais ici pour de la psychologie. Moi, ministre de l'Évangile, pas moi, sœur. J'ai trop d'estime pour mon Seigneur pour faire cela. Je suis ici pour vous aider, pour faire tout ce que je veux afin de susciter votre foi en Christ. Amen. Amen. On ne commande pas ça, on lit seulement. N'est-ce pas la vérité? Amen. On va lire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On lit quelque chose dans Dieu tient sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de lire dans Dieu tient sa parole, on va lire dans Hébreux chapitre 3. Amen. Donc Dieu, dans une grande boule de feu, semblable à un halo, est descendu. Il est descendu là, dans le buisson. Et c'est d'abord à Moïse qu'il a commencé à se révéler. Amen. Moïse a dit, trois points. Nous avons vu ça dans la leçon. Amen. Nous avons vu ça dans la leçon l'autre soir. Vous savez, là quand Jésus était ici sur terre, il a dit, eh bien, avant que Moïse fût,
je suis. C'était Jésus qui était dans le buisson Adam. Amen. C'était qui? Qui était dans le buisson Adam. Dans la colonne de feu. C'est Jésus aujourd'hui. Le même. Il s'est révélé dans la colonne de feu. Et Moïse a vécu cette expérience. Il est descendu en Égypte. Il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle, et des signes et des prodiges l'accompagnaient. Vous saisissez? C'est la même chose aujourd'hui. Amen. C'est la même chose quand? Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu tient sa parole. Bon, on commence à 42. 142 de 57. Amen. Nous avançons dans la colonne, je prends un peu en bas. Nous avançons dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et la glorieuse... Je crois que quelqu'un devait sauter. Quand on dit que nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Amen. Pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. En d'autres termes, vous êtes théophanie représentée devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avançons dans la colonne de feu. La colonne de feu avance. J'avance avec elle. J'avance avec... N'est-ce pas? Nous avançons dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? C'est nous. Amen. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Et la glorieuse révélation de la parole. Le Saint-Esprit qui l'a fait pénétrer dans le cœur. Et qui produit des térébintes de salut, une vie droite, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Assurément, ça ne se produira pas seulement dans le Branham Tabernacle ou dans un autre tabernacle. Ça se produira chez les individus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Je me sens religieux. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? On va lire la dernière citation. Est-ce que vous l'aimez? Moi, je l'aime. De tout mon cœur. Amen. On va lire dans Dieu dévoilé, 1964. Amen. Amen. Paragraphe 296. Paul a écrit le Nouveau Testament. Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu'ils ont vu. Amen. Mais Paul a eu la révélation et il a fait ressortir car il avait rencontré la colonne de feu. Lui-même, et pensez-y, la même. Amen. Joseph là, tous les autres ont écrit ce qui était passé. Chacun a écrit à l'époque. Mais quand Moïse est venu, il avait la révélation et il avait rencontré la colonne de feu. Et il a été révélé à Moïse ce qu'il a été de la Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible. Amen. Moïse l'a fait. Pas vrai? En effet, il a rencontré Dieu.
sous la forme de la colonne de feu, voilé dans la colonne de feu. Amen. Voilé dans quoi? Amen. Christ identifié dans tous les âges. Amen. Paragraphe 39. La parole était à Moïse, le prophète. Il était monté sur la montagne. Il avait rencontré la colonne de feu et elle lui avait parlé. Il est descendu et a accompli les signes du prophète. Il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les a amenés à cette montagne. Ensuite, Dieu est descendu et a identifié Moïse en le faisant pénétrer dans la colonne de feu. Amen. Dieu a fait pénétrer Moïse dans la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il peut encore dire amen? Moi, ça me donne des frictions. Amen. Dieu peut être partenaire avec quelqu'un au tel point qu'il prend cette personne, il lui fait entrer en lui. Amen. Mais tu me diras, frère Isaïe, pourquoi tu parles toujours de Moïse? Mais Moïse est l'identification du ministère de William Aaron Branham. Il est l'identification du ministère de Paul. Hébreux 13 et 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, là-bas dans le buisson, Adam avait Moïse. Amen. Aujourd'hui, avec Paul, éternellement, c'est avec William Aaron Branham. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui dans éternellement. Et les amener à cette montagne ensuite, Dieu est descendu et a identifié Moïse en le faisant pénétrer dans la colonne de feu et en le voilant. Personne d'autre ne pouvait y aller. Personne ne pouvait essayer d'imiter cela. Il ne pouvait pas le faire, sinon il mourait. Il fallait un seul homme. Il est entré derrière, là, dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Et quand il est sorti avec cette parole, pour cet âge-là, il resplendissait tellement que la gloire de Dieu qu'il a dû voiler son visage. Les gens ne le pouvaient pas. Les gens ne pouvaient pas le fixer des regards. Ne pouvaient pas fixer les regards sur lui. Et ça, c'est le voile naturel. De quoi s'agit-il? Quand un homme franchit ce voile et entre dans la gloire de la Shekinah, de quoi s'agit-il? Parce que la gloire de Moïse était une gloire naturelle. Amen. Maintenant, le prophète revient à éternellement. Amen. Il dit, de quoi s'agit-il? Paragraphe 40. Quand un homme franchit ce voile et entre dans la gloire de la Shekinah, maintenant, le monde le traite de fanatique. Ils ne peuvent pas voir ce qui ne va pas. Mais là derrière, il n'y a rien pour attirer les regards. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ses mots. Peut-être qu'il ne s'habille même pas convenablement. Peut-être qu'il ne porte pas de vêtements ecclésiastiques. Elle ne s'habille pas comme on peut. On veut qu'elle... pas comme on pense qu'elle le devrait. C'est peut-être le cas. Mais voyez-vous, à l'intérieur, derrière cette peau de blaireau, derrière cette peau humaine, il y a de la gloire de la Shekinah. Amen. Là, il y a la puissance. Il y a la parole.
Il y a les pains de proposition. Il y a la gloire de la Shekinah qui est la lumière. Produit. Qui est la lumière. Produit la lumière qui fait mûrir le grain. Amen. Derrière cette peau de blaireau, derrière cette peau humaine, peut-être que cette personne ne connaît pas bien sortir les mots. Peut-être que la personne ne s'habille pas comme tu veux. Peut-être qu'elle ne s'habille pas comme vous pensez. Mais derrière cette personne-là, ce n'est pas une gloire naturelle. Ce n'est pas une gloire passagère. C'est une gloire de la Shekinah qui nous amènera jusqu'au millénium. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Éternel et notre Dieu, nous croyons que c'est le jubilé dans nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus. Parce que nous croyons que Seigneur Jésus, cet ange qui est descendu, c'est lui qui a conduit la réunion ce soir, Seigneur Jésus. Et nous croyons, dit Frère Branham, depuis que tu es descendu, tu n'es plus jamais remonté, Seigneur Jésus. Tu es au milieu de ton peuple. Tu fais des va-et-vient, Seigneur Jésus. C'est toi qui conduis toutes choses pour l'avenir du Seigneur. Nous te disons merci pour ce glorieux message que tu as voulu apporter dans nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus. Et laisse que cet ange qui nous a nourris, Seigneur Jésus, puisse bénir notre chemin de retour. Et nous croyons que, Seigneur Jésus, nous sommes bénis par toi, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as dit dans ta parole, que là où deux ou trois qui sont rassemblés à ton nom, toi tu es parmi ton peuple, Seigneur Jésus. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que c'est toi qui s'est caché derrière ton humble serviteur Esaïe pour nous apporter l'évangile ce soir. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour nous avoir nourris. Nous voulons simplement remettre notre chemin de retour entre tes saintes mains. Seigneur, il y a nombreux qui sont venus ce soir étant malades. Laisse que cet ange qui nous a nourris ce soir apporte la guérison, Seigneur, à ton peuple. Et ceux qui sont venus avec des problèmes au Dieu puissent y trouver la solution, Seigneur Jésus. Alors que ton onction du haut de cette chair, Seigneur Jésus, que ton peuple trouve la solution à leurs problèmes, Seigneur. N'oublie pas, c'est lui qui nous a nourris ce soir. Puisse le bénir, oh Dieu. Qu'il y soit béni, Seigneur. Qu'il y soit rempli de révélations, Seigneur Jésus. Enfin, que quand il se tiendra encore du haut de cette chair, qu'il ne manque pas quelque chose à porter à ton église, Seigneur Jésus. Nous nous remettons entre tes saintes mains. N'oublie pas notre précieux pasteur, l'évêque de cette église, Seigneur Jésus. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin que tu puisses le reconforter, Seigneur. Il a besoin, Seigneur Jésus, que tu puisses combattre de son côté, Seigneur Jésus. Et nous conquérons ta main n'est pas courte, Seigneur Jésus, pour renouveler ses forces, Seigneur. Bénis sa chère épouse et bénis toute sa famille, Seigneur Jésus. Bénis les dîmes offrandes, Seigneur. Et n'oublie pas notre chemin de retour. Que l'ange de l'Éternel puisse nous précéder. Partout nous foulerons nos plans de pied, Seigneur Jésus. Dans le veille qu'il fait par des mains de nos hommes, Seigneur Jésus. Que tu éloignes les accidents, Seigneur. Que tu éloignes l'ombre de la mort. Et que ta grâce puisse nous environner. Et quand nous arriverons chez nous, Seigneur, nous ne manquerons pas à pouvoir te dire merci, Seigneur. Bénis la réunion de dimanche, alors que nous nous attendons à toi. C'est dans le parfait nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Ayo Branham, le Dieu de Monseigneur Séraphin, dont nous sommes les serviteurs, que nous avons prié et demandé pour ta seule gloire. Amen et Amen.